La reine du style, CESTL. Réputée pour sa classe en toutes circonstances, Rania de Jordanie s'était mise sur son 31 ce jeudi pour une occasion très spéciale, le mariage de son fils aîné Hussein. Sculpturale en noir pendant la cérémonie, elle a ensuite choisi une robe très impressionnante pour la réception. Et rivalisait sans problème d'élégance avec toutes ses invitées, même les plus connues. Ce jeudi a sûrement été une très longue journée pour Rania de Jordanie, la reine de 52 ans a en effet marié son fils aîné Hussein à sa sublime fiancée Rajwa. Un moment émouvant, qui s'est déroulé en présence de toute la famille royale du pays, ainsi que de nombreuses têtes couronnées européennes. Tous ont ensuite assisté à une réception et aux célébrations du mariage avant de reprendre la route de leur pays respectif. Une longue journée, donc, pendant laquelle la reine a parfaitement assuré. Et notamment au niveau du look, sublime en noir pour assister à l'échange des vœux du jeune couple, elle s'est ensuite changée pour assister à la réception dont le dress code comprenait une tiare et une robe longue. Et le contrat était plus rempli que jamais. La reine avait en effet choisi une robe de haute couture Elisab, recouverte d'une cape. Et si le bas de la robe était plutôt simple, le haut était sublimé brodé de perles. Une véritable tenue de reine inédite pour elle, dont le dressing est pourtant presque aussi grand que celui de Kate Middleton, mais qui lui allait à la perfection. De belles retrouvailles qui la faisaient briller parmi ses prestigieuses invitées, toutes les princesses avaient choisi des robes de créateurs et s'étaient mises sur leur 31. Le look le plus marquant reste tout de même celui de Kate Middleton, qui, après avoir choisi elle aussi Elisab pour la journée, était toute scintillante dans sa robe rose Jenny Packham. Et semblait particulièrement ravie d'avoir fait le voyage en Jordanie pour retrouver le couple royal et son fils, que le prince William a serré dans ses bras après la cérémonie. Un plaisir visiblement partagé par Rania de Jordanie, selon le Daily Mail, elle aurait demandé en les saluant pour la première fois où étaient les enfants du couple. Ils étaient si bien, aurait ajouté la souveraine au sujet de George, 9 ans, Charlotte, 8 ans, et Louis, 5 ans. Supposant qu'elle parlait du couronnement de Charles III, où elle put les croiser, nos confrères britanniques ajoutent que le prince William aurait répondu, « Oui, ils ont été adorables. » Les deux couples auraient alors évoqué les vacances, bien méritées, que prendront le roi et la reine de Jordanie dans quelques semaines, une fois le mariage passé, avant de se séparer. Il faut dire que Rania et son mari Abdallah II ont eu un début d'année sous pression, leur fille immense est mariée en mars dernier avec son fiancé Jamil, un mariage plus discret mais qu'il avait fallu préparer, puis leurs deux cadets, Salma, 23 ans et Hachem, 18 ans, ont passé leur diplôme avec succès. On comprend qu'il ait besoin de souffler un peu.